On est parti pour le premier circuit training ensemble qui sera composé de 5 exercices. Donc il y aura des pompes, il y aura des squat jumps, il y aura des fentes iso, il y aura également roulage haltère et un exercice spécifique sur les abdominaux. On est parti, donc chaque exercice va durer 35 secondes, vous aurez seulement 15 secondes de pause entre les exercices, vous effectuerez en tout 3 tours et on fera le premier tour ensemble. On est parti pour le premier exercice des pompes, 35 secondes. Donc, position des pompes, on est parti. On fait le maximum de pompes possible en gardant bien le talon aligné, genou hanche, au maximum aligné. Ici, on souffle bien, on inspire bien, on souffle. Là, vous renforcez l'arrière de vos bras, les pectoraux ici et les épaules. Inspirez, soufflez très régulièrement. Inspirez à la descente, soufflez pendant la montée. C'est parti. Si ça brûle au niveau des pectoraux, des triceps et des épaules, c'est tout à fait normal. Ça doit être un exercice qui doit être coûteux. On souffle, on souffle. Souffle bien. Hop, on passe. 15 secondes de pause. Deuxième exercice, les squat jumps. Donc je rentre en mouvement. Je pose les pieds sur le step. Et je reviens. D'accord? Je saute, j'amortis. En poussant le poids sur les talons à la fin. Et je reviens. On est parti, bip sonore. C'est parti. On souffle bien, on inspire. On monte sur le step. La sensation de travail, je dois sentir sous les cuisses et sur les fessiers. Soufflez bien, inspirez encore avec moi. Voilà. Si vous n'avez pas de step chez vous, vous pouvez également le faire au sol, tout simplement, en avançant vers l'avant et en reculant vers l'arrière sans avoir de step, c'est pas grave. L'essentiel est de sentir une sensation de brûlure. C'est vos cuisses et vos fessiers. Let's go! Voilà, pensez bien à inspirer, soufflez régulièrement pendant tout le mouvement. Ok, 15 secondes de pause. J'en profite pour vous montrer le mouvement fente ciseaux, comme ceci là. On fait des fentes ciseaux. On en fait 6, d'accord? Et on fait une variation des pompes. On pousse les fesses en arrière, on avance les épaules vers l'avant et on revient. On est parti, go! 2, 3, 4, 5, 6. Variation des squats. On avance vers l'avant et on revient. On repart en fente alternée. C'est parti. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On serre bien les omoplates pendant ce mouvement-là. On n'arrondit pas le dos. C'est parti. Jusqu'au bip sonore. 3, 4, 5, 6. Let's go. Ok. Le prochain, on est parti sur des roulages haltères. On est là. On prend l'haltère en main. On va le rouler vers l'avant. Serrez bien les omoplates et bien rentrer le ventre. On est parti. Ça, ça va travailler l'ensemble de la sangle abdominale, de la sangle abdominale et la partie basse du dos. Lorsque vous revenez, placez les épaules au-dessus de vos mains. Inspirez bien la descente et soufflez vos mains à la montée. Vous devez sentir que ça vous fait mal au niveau de vos abdominaux. Et si vous sentez une petite douleur au niveau du bas du dos, c'est normal à partir du moment où vous gardez le dos bien droit ou que vous avez l'omoplate bien serrée, vous renforcez également les lombaires. Et là. On inspire bien la descente et on souffle pendant la montée. Encore là. Ok. 15 secondes de pause. Dernier exercice. C'est un mouvement spécifique sur les abdominaux. Vous allez renforcer le haut et le bas des abdos en même temps. Ici. Vous soufflez. Vous inspirez. Vous contrôlez la descente. On rentre au ventre. C'est parti. Et on inspire. Soufflez. Décollez vos omoplates à peu près de 30 degrés ou un peu moins. Et là, l'essentiel c'est de rentrer le ventre pendant la descente. Rentrez le ventre, rentrez le ventre, rentrez le ventre. Si vous avez mal au dos, vous pouvez également fléchir un peu plus les jambes, comme ceci. Fléchir un peu les genoux pour avoir moins de tension sur la partie basse du dos. Si vous avez un dos en bonne santé, tendez complètement vos jambes. Et on souffle. On inspire et on souffle. Vous avez aucun temps de pause entre les circuits. On a fait un tour ensemble et c'est parti pour vous sur les deux prochains tours. Bon courage et à bientôt.